Une attaque terroriste a été menée ce dimanche 13 août contre un café-restaurant à Ouagadougou, Burkina Faso. Le bilan provisoire fait état de 20 victimes et une dizaine de blessés. Le processus d'identification se poursuit. Le ministre d'État et une partie de la délégation gouvernementale s'est rendue donc actuellement au niveau de l'hôpital Yalgado pour rencontrer et identifier les personnes blessées. Une équipe de la police judiciaire également à Yalgado pour identifier les personnes qui y sont décédées. Et nous aurons donc un communiqué de l'institution judiciaire qui fera le point exact des personnes concernées dans cet malheureux incident. Deux assaillants ont été tués lors de l'assaut des forces antiterroristes burkinabées. La situation revient peu à peu à la normale dans la capitale. Par ailleurs, des enquêtes ont été ouvertes. Une procédure judiciaire est ouverte depuis les premières heures de l'attaque. Elle permettra donc de situer un peu, ou disons de déterminer les circonstances dans lesquelles l'attaque s'est produite. Frontalier du Mali, toujours instable, où le pays a envoyé des soldats lutter contre les groupes terroristes qui agissent dans la région sous la bannière des Nations Unies et membre du G5 Sahel, le Burkina Faso est la cible d'attaques régulières depuis 2015, particulièrement dans le nord du pays.